Inge Liman, 1888-1993, a découvert le noyau interne de la Terre, alors qu'elle est la seule sismologue du Danemark et sans moyens. Liman naît en 1888 à Copenhague dans une bonne famille et reçoit une bonne éducation. Elle suit des cours dans un établissement tenu par la tante du physicien Bohr, Anna Halder. L'école ne fait pas de différence entre les garçons et les filles. Néanmoins, Liman s'ennuie et son professeur de mathématiques lui donne des problèmes complexes pour s'occuper. Elle poursuit d'abord des études en mathématiques à l'université de Copenhague, elle étudie également la physique, la chimie et l'astronomie. Au bout de trois ans, elle passe haut la main ses examens et part pour Cambridge. Malgré ses efforts, elle a du mal à suivre le cours de mathématiques. Elle rentre au Danemark, épuisée, après quelques mois, et trouve un travail dans les assurances. En 1918, elle retourne à ses études à l'université de Copenhague pour un master en mathématiques et en physique. Elle obtient ensuite un poste d'assistante d'un professeur de statistiques à l'université. En 1925, elle devient l'assistante du géodésiste Niels Erik Norlund et découvre la sismologie qui la passionne. Il faut dire que le sismographe a été inventé en 1880 et en 1914, Gutenberg a postulé de l'existence d'un noyau liquide de la taille de Mars à l'intérieur de la Terre. Elle étudie par elle-même cette nouvelle science basée sur les tremblements de terre. Elle a elle-même vécu qu'un seul tremblement de terre, quand elle était jeune, car ils sont très rares au Danemark. Elle étudie également dans différents laboratoires de sismologie dont celui de Gutenberg. En 1928, elle obtient son doctorat en géodésie et devient la directrice du département de sismologie de l'Institut royal danois de géodésie. Enfin, il faut dire qu'elle est la seule sismologue de l'Institut. Mais le travail lui plaît et elle travaille dur. Si le Danemark n'a pas beaucoup d'activités sismologiques, il est situé aux antipodes d'une zone très active dans le sud du Pacifique. Elle observe en particulier les ondes sismiques du tremblement de terre de Murchison en Nouvelle-Zélande en 1929. Et ces observations ne correspondent pas à celles attendues pour une terre avec une croûte solide et un noyau liquide, comme le veut la théorie alors. Elle cherche donc un modèle qui pourrait expliquer ces observations. Elle finit par conclure qu'il doit exister un noyau interne, ou graine, solide, au centre du noyau liquide. Elle publie ses résultats en 1936 et ils sont rapidement corroborés par les grands sismologues de l'époque. Elle devient peu à peu une des plus importantes sismologues de son époque. Elle prend sa retraite en 1953 de l'Institut Royal, mais continue ses travaux de recherche. Elle fera alors une deuxième découverte importante, une autre zone qui modifie la vitesse des ondes sismiques dans le manteau cette fois. Dans les années 60, elle travaille avec l'armée américaine pour utiliser les ondes sismiques pour repérer les essais de bombes nucléaires. Dans le même temps, elle est enfin largement récompensée pour sa découverte. Elle fera l'observation qu'une fois qu'on obtient une médaille, subitement, on en reçoit beaucoup. Elle meurt en 1993, à 104 ans, après une vie bien remplie. La biographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos, alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.